Yahoo Bidibancha, donc aujourd'hui je te retrouve pour te parler de Tsukedashi Nights. Donc du coup le manga Tsukedashi 9 est un manga en 5 tomes des éditions Kurokawa. Nous sommes sur un shonen qui est dans le genre aventure et fantastique. L'œuvre date de 2014 au Japon et de juin 2016 en France pour son premier tome. Et si je ne me trompe pas au niveau de la date de sortie du dernier tome, c'était en juin de, 2017. Nous sommes sur un manga qui est âge conseillé aux 12 ans et plus. C'est ça le petit point faible je dirais, mais ça je t'en parle tout à l'heure. Et en ce qui concerne le mangaka, nous sommes avec le mangaka Seishi Kishimoto. Donc du coup, en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais qu'on est tout simplement sur un « je n'aime absolument pas ». Donc quelque chose de très rassurant, sachant que je déteste le rendu des jaquettes. Donc du coup, comment bien commencer ma lecture en me rendant compte que du coup, la qualité du dessin intérieur n'était pas forcément mieux que la qualité du dessin sur la jaquette. Et j'ai commencé déjà à baliser. En ce qui concerne du coup mon avis sur la série, je te dirais tout simplement que je n'ai acheté que les deux premiers tomes, mais que j'ai abandonné lors du tome 1. Alors là tu te dis, mais pourquoi t'as acheté le tome 2? Tout simplement parce que j'ai été con. Je te le dirai clairement, j'ai été très con. Donc tout simplement, ce que j'ai fait, c'est souvent quand je vais sur Bordeaux, je m'emmène un manga pour lire du coup dans la voiture, en lire une bonne partie et savoir si j'achète ou pas la suite. Chose du coup que j'ai faite, j'ai acheté la suite en me disant que ça allait me plaire. Parce que pour l'instant, le début que j'avais lu, j'ai pas lu tout le manga, j'étais à la moitié, me plaisait plutôt pas mal. Bien que je trouvais ça assez répétitif, mais je me suis dit que pourquoi pas, on allait continuer quand même un petit peu le manga. Et que logiquement, je devrais plutôt arriver à lire le deuxième tome. Et après, on verrait du coup, une fois avoir terminé vraiment le tome 2, si j'achetais ou pas le tome 3. Malheureusement, en fait, ce qui s'est passé, c'est tout simplement que j'ai abandonné lors du tome 1. Quelques pages après, j'étais peut-être à la moitié. Aux trois quarts du manga en fait, et j'ai tout simplement décroché. Pourquoi? Parce que déjà je trouvais l'histoire très répétitive, bien que en fait au départ on était concentré que sur un seul Tsukedashi et qu'après on nous montre après la première partie et la première moitié du manga qu'on va avoir affaire à d'autres Tsukedashi, que d'autres Tsukedashi du coup vont faire des exécutions, etc, etc. Donc on commençait vraiment à instaurer quand même quelque chose d'intéressant. On commençait à nous montrer d'autres Tsukedashi parce que sinon ça allait être très 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 répétitif, ce dont j'avais très peur. Et au final je me suis rendu compte que je n'aimais pas spécialement parce que c'était assez plat. La première partie, j'avoue que les 100 premières pages avant d'acheter du coup le tome 2, je me suis dit on va acheter le tome 2, on verra. Après, je laisse la chance jusqu'au tome 2. J'étais assez convaincue par rapport à mon avis sur la série. Je me suis dit, au moins t'arriveras à lire les deux premiers tomes, ça devrait le faire. Et au final, absolument pas. Je n'ai pas réussi du tout à apprécier au niveau de la lecture. Je trouvais ça un peu trop rendant, un peu trop chiant. Il manquait quelque chose en fait pour donner envie. Et peut-être que le fait que ça soit un manga âge conseillé 12+, le fait que le manga soit un shonen et non pas un seinen, a dû beaucoup jouer en fait par rapport à mon avis sur la série. Je t'admets que à mon avis, et j'en suis persuadée, la série aurait été âge conseillé 14+, la série aurait été classée non pas shonen mais seinen, on aurait pu avoir quelque chose de très intéressant. Alors après par contre je tiens à préciser que je n'ai pas regardé si au Japon c'était publié comme seinen, si c'était 12+ ou on avait un autre âge, mais j'ai trouvé ça trop mou et je sens et je ressens du coup un côté trop mou qui n'est pas fait pour moi au final. Suis-je réellement fait pour ne pas lire de shonen et n'apprécier que les seinen? Je me pose à force la question vu le nombre de flops que j'ai dans les shonen, bien qu'il y en a certains quand même qui arrivent à se démarquer. Mais toujours est-il du coup que je n'ai pas réussi à accrocher à cette série, c'est donc un flop. Mais j'avais quand même pas mal de choses à t'expliquer, donc du coup c'est pour ça que j'ai fait une vidéo et que je ne te l'ai pas mis du coup dans ma vidéo flop où j'en mets plusieurs à te présenter. On termine du coup avec mon avis sur les couvertures, je te dirais tout simplement que ça a été un flop mémorable. Alors la seule chose en fait qui a réellement réussi à me faire convaincre d'acheter la série, c'était donc le résumé car le visuel des couvertures ne me plaisait absolument pas. En ce qui concerne du coup mon avis sur les couvertures, je te dirais tout simplement que ça a été un flop mémorable. Et la seule chose qu'en fait qui a réussi à me faire convaincre d'acheter cette série, c'était du coup le résumé. Parce que la qualité de dessin aussi apparaissait pas terrible, sans avoir vu la qualité d'image, juste avec les couvertures. Donc en ce qui concerne le tome 1, voici l'illustration. Donc ce que je n'aime pas en fait, c'est qu'on a des écritures en jap sûrement ici, que l'on peut pas comprendre si on connaît pas le jap. Donc voilà. Ici, on va avoir du coup la présentation du mangaka avec le logo Tsukedashi 9 ici. Là, on va avoir tout simplement pour l'arrière l'image qui se poursuit, donc ça encore, avec du coup le Tsukedashi ici.
Donc voilà. En ce qui concerne par contre la couverture intérieure, là je l'ai largement préférée. Donc pas forcément à l'avant parce que voilà, pour moi ça ne veut rien dire, ça ne parle pas spécialement. Et par contre ce que j'ai adoré c'est tout simplement l'arrière. Ce que tu peux voir du coup, je suis désolée, la porte a bougé. Ce que tu peux voir du coup à l'arrière c'est tout simplement qu'on a du texte. Et en fait on a la traduction de tous les mots importants de l'histoire. Donc ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal. En ce qui concerne le manga, quand on l'ouvre du coup on a une page en couleur. Voilà, avec un de nos protagonistes, un de nos Tsukidaishi. On a une photo du coup de groupe, des taches de sang un peu partout, et du coup les pages de chapitre qui sont écrites un peu dans n'importe quel sens, donc ça j'aime bien, et on commence directement le manga. En ce qui concerne la fin du manga, on n'a aucune pub, on n'a rien du tout, donc voilà en ce qui concerne ça. En ce qui concerne du coup le tome 2, voilà l'avant, que je n'aime toujours pas, l'arrière qui est toujours pareil. En ce qui concerne du coup, cette fois-ci, on a encore du coup un mot du mangaka. On a à l'arrière toujours l'image en fait qui se poursuit. Ça fait toujours deux vœux, voilà. Donc ça encore, voilà, j'en suis toujours pas fan. L'avant qui va toujours nous reprendre l'époque apparemment des samouraïs. Je ne comprends, je n'ai pas compris en fait l'allusion, donc... En même temps, je me suis arrêtée qu'au tome 1. Donc du coup, à l'arrière, on a aussi la définition de quelques mots que l'on retrouve du coup dans le manga. Mais ce ne sont pas les mêmes mots que dans le tome 1. Je viens de vérifier, ce ne sont pas les mêmes mots, donc ce sont encore des explications. Donc ça, je trouve ça toujours plutôt pas mal. Bah, ça, c'est un petit bonus. En ce qui concerne du coup le manga qu'on commence, on commence avec une image du coup en couleur sur papier glacé. Une autre petite photo et du coup le sommaire qui fait pareil. Et ici, du coup... on va avoir une récapitulation de la loi du coup par rapport à le fait de demander les Tsukidaishi. Ici on va avoir du coup un récap des personnages. On a un résumé plus ou moins de ce qui s'est passé. Ou les lois, je sais pas trop. Et du coup on a cette image là. Et on commence directement le manga. La vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire. N'hésite pas surtout à me mettre en commentaire si tu connaissais le manga ou pas du tout. Si je t'ai donné envie de le découvrir quand même ou absolument pas. Et si tu as déjà lu ce manga, n'hésite pas à nous donner ton avis. Je te retrouve du coup bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je te retrouve aussi très vite pour un nouveau manga des éditions Kurokawa. A bientôt !